fermé. Elisabeth! Voilà. Par ici, un ascenseur de service. Il nous mènera à Finton. Et nous fera tuer pour le même prix. Bienvenue aux ressources humaines de Fink Industries. Aucun poste n'est vacant. Vous entendez? On n'en bouge pas. Comment va-t-on s'introduire à Finton? Illégalement. Cherchons une deuxième entrée. J'ai besoin de ton aide pour cette serrure. Ça pouvait pas mieux tomber! Je vais vous tuer! Super. Montrez-moi si vous êtes... C'est idiot. Tenez. De l'argent. Ça m'aide beaucoup. Vous appelez ça un pistolet? C'est pas un pistolet, ça. L'armurier Chen Lin, recherché pour ses liens avec la criminelle Daisy Fitzroy. Notre brave ami s'est fait remarquer. Mauvaise nouvelle, non? Oui. Thank you.
J'ai une serrure à crocheter. Ah, un jeu d'enfant. Et voilà. Booker, le casier de Slate. Il travaillait ici. C'est le journal de ma mère. Où Slate l'a-t-il trouvé? Mon mari prétend que l'enfant serait né de la volonté divine. Je suis croyante, mais je ne suis pas née d'hier. Son engeance ne grandira pas sous ce toit. Ma mère... C'est elle qui m'a fait enfermer. Elisabeth. Je veux juste m'enfuir de cette ville. Je vous en prie. Bonjour. Mon nom est Jeremiah Fink. Et je veux partager mes préceptes avec vous. Quelle est la créature la plus admirable de toute la création de notre Seigneur? Mais l'abeille, bien sûr! Avez-vous jamais vu une abeille chômer? Une abeille accepter un arrêt maladie? Eh bien, mais la réponse est non! Alors, faites l'abeille! Faites l'abeille! Allô? Monsieur DeWitt? Oui? Monsieur Fink souhaiterait vous parler. Que se passe-t-il? DeWitt? C'est Fink. Bon, écoutez. Après analyse, je peux dire que vous êtes de loin notre meilleur candidat. Le meilleur. Bien. Mon associé, Monsieur Flambeau, sera là pour vous apporter son aide. Qu'est-ce que c'était que ça? J'en ai aucune idée. Bizarrement, il a l'air ravi de vous rencontrer. Il a une haute idée de lui-même.
Certains viennent me dire... Fink, pourquoi sommes-nous payés en jetons uniquement valables à la boutique interne? Ma foi, c'est pas ça. Je refuse que de braves gens soient dépouillés par des commerçants peu scrupuleux. La boutique interne de Fink offre des produits Fink à des prix spécialement adaptés à nos ouvriers. Monsieur DeWitt, bienvenue à Finkton. Vous trouverez de quoi vous approvisionner pour rendre votre visite plus agréable. Besoin d'argent? Attrapez! Merci. Que peut bien nous vouloir, monsieur Fink? Pardonnez-moi, mais monsieur Fink ne porte d'intérêt qu'à ce monsieur. Mais pourquoi? Désolée, mademoiselle. Toute question concernant la candidature de ce monsieur est à adresser directement à monsieur Fink. Ça paraît pas bizarre, tout ça. Personnellement, je trouve ça très bizarre. Alors, on va chez l'armurier ou on cherche du matériel dans l'horlogerie? Sera vide. Ne voyez-vous pas ce que vend la Vox Populi? Elle vend des rêves. Et les rêves, mes amis, ça a un prix. M'aide beaucoup. Cette affiche, elle contient un autre code. Donc on doit trouver le codex? Oui. Je crois bien qu'il faut emporter au club Bagatelle. C'est là-bas qu'il faut chercher. Prenez-le à revers!
de mon côté. Non. Pendant tout ce temps, personne n'a jamais fait attention à moi. Et puis du jour au lendemain, on m'accuse d'avoir assassiné Madame Comstock. Je suis allée à Finkton et je me suis cachée loin. Et plus ils me cherchaient, plus loin j'allais. Si les enfants de couleur comme moi ont bien une chance, c'est celle de pouvoir se rendre parfaitement invisible. J'ai jamais entendu cette chanson. Je ne pense pas que quelqu'un l'ait jamais entendu.
On y est, Booker. Chen Lin, armurier. J'ai trouvé de l'argent. Vous le voulez? Génial. À époque dangereuse. Mesures dangereuses. Protégez vos femmes et votre mago. Commence quand? Nous reviendrons un peu plus tard. Je ressens le besoin de parler à ce soi-disant faux berger qui provoque tant de problèmes. Nous avons assez d'ennuis sans que cet imbécile vienne semer la zizanie en ville et faire accuser la Vox Populi. Enfin, si jamais il n'est pas hostile. C'est peut-être bien l'homme qu'il nous faut pour nos tracas les plus urgents. Thank you.
Tenez, de l'argent. Super. J'ai déjà vu ça. C'est le Bouddha Gautama. Qui ? Le fondateur du bouddhisme. Il a passé 49 jours sous l'arbre de la Bodhi jusqu'à l'illumination. Quelque chose me dit que Comstock n'apprécie pas trop qu'on ait d'autres idoles que lui. Bonjour. Eh oh ! Monsieur Lin ? Chen Lin ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un a tout saccagé. Les forces de police du coin, sûrement. Vous entendez ? Il y a quelqu'un en bas. Excusez-moi. Madame, désolé de vous déranger, je... Nous cherchons Monsieur Lin. Monsieur Chen Lin. Booker. Monsieur Lin, pas là. Lui, parti. Parti ? Emmené. Unité volante. Priez Bouddha, jour et nuit. Priez, ramenez Marie. Ramenez Amélie. Où l'ont-ils emmené ? Au club. Tout le monde emmené au club Bagatelle. Il est où, ce club ? Madame, s'il vous plaît, où est le club ? Booker, nous trouverons. Laissez-la tranquille. Pourquoi Vox Populi pas aider Chen Lin ? Pourquoi Daisy Fitzroy rien faire ? C'est quoi l'unité volante ? Des flics. Du genre à piétiner ce pauvre Lin en lui demandant quels sont ses liens avec Daisy Fitzroy. Ce n'est pas justement elle qui nous envoie ? Ouais, c'est bien elle, en effet. Bon, partons à la recherche de ce club Bagatelle. Point vigoureux. Je suis désolée. On y est, Monsieur DeWitt. On n'a plus qu'à entrer. Vous savez, les meilleurs entretiens, c'est lorsque le candidat ne sait pas qu'on est en train de l'évaluer. Je vous observe depuis cette histoire à la tombola. Là, celle-là. Avec ce climat, c'est ce qu'il vous voulez quoi, Fink ? La révolte ouvrière grande, DeWitt. Vous savez, Fitzroy a semé le trouble dans les rangs. Votre expérience chez Pinkerton pourrait m'être d'une aide précieuse. Trouvons Chen Lin et filons loin d'ici. Allons, allons. Je vous demande de finir ce que vous avez commencé, DeWitt. Il ne faudrait pas décevoir les autres candidats. Le premier postulant est un vétéran de PK. Et qu'est-ce qu'on dit déjà sur les vieux soldats ? Honnêtement, vous allez gagner. Il a une certaine expérience avec les explosifs.
C'est le seul homme que je connaisse qui n'ait pas laissé un bras à l'ébanier. Pour l'instant. Happy Roman, soyez prudents. Tenez, Booker. Ça m'aide beaucoup. Fink. Allons, je sais très bien quelle mission vous a confiée Fitzroy. Son offre vous semble vraiment plus intéressante que la mienne? Vous savez combien de gens tuerait pour devenir directeur de la sécurité? Vous avez la tête dure, monsieur DeWitt. La tête dure. Mais vous pouvez me croire, j'obtiendrai ce que je veux. Encore de l'argent. Je me sens déjà mieux.
Booker, il y a une porte ici. Je crois que c'est pour descendre. Je t'ai pris pour un fou, mon cher frère, quand tu m'as dit que tu entendais une musique délicieuse s'échapper de trous sortis de nulle part. J'ai commencé à douter de ta santé mentale. Et puis, non seulement ces trucs ont fait ta fortune, mais ils m'ont aussi permis de trouver ma voie. Qu'est-ce qui se passe ? Regardez, Chen Lin, cellule numéro 9. J'ai besoin de ton aide pour cette serrure. Restez sur vos gardes. Je travaillais pour des gens comme Fink. Vraiment ? J'étais chez Pinkerton. On faisait appel à nous dès que les ouvriers s'agitaient. Pour faire quoi ? Pour prouver que les grèves ne servaient à rien. De la pure folie. Vous les frappiez. Voilà ce que j'en pense. Des fois, on a bien besoin de gens comme Fitzroy. Contre les gens comme moi. Super. Inutile de scanner. Voilà, c'est le codex pour l'horlogerie. Dis-nous tout ce que tu sais sur Fitzroy, salopard de bridé. On sait que tu nous entends. T'as quelque chose à dire? Ou tu veux qu'on t'amène ta femme pour tenir compagnie? Bah, balance-lui un seau d'eau sur la tête. On en a encore trois autres derrière. Mon Dieu, quelle est cette odeur ? Il n'y a pas de toilette ici. Taxer l'homme noir plus que l'homme blanc, cela n'est-il pas cruel ? Interdire le mélange des races, cela n'est-il pas cruel ? Donner le droit de vote à l'homme blanc, mais le refuser à l'homme à la peau jaune, noir ou rouge, cela n'est-il pas cruel ? Mais permettez-moi de retourner la question. Ces gens pour mériter d'être enfermés dans un endroit pareil. Fink n'a pas besoin de raison. Non. Non, c'est vrai. La cruauté peut être source de savoir. Il a l'air... Vous aviez raison. A-t-on bien fait de l'épargner ? Que tu pourrais m'ouvrir ce truc. Sérieusement ? Ce tout petit verrou ? Et voilà. J'ai trouvé de l'argent. Vous le voulez ? J'aurais besoin d'aide, là. Je vais essayer. On y est, c'est bien ça ? Ouais. Numéro 9. Voilà qui est fait. Mais vous ne pouvez pas me reprocher de protéger mes intérêts, non ? Je sais que Fitzroy a fait appel à vous, mais je crois bien que votre mission pour elle a été annulée. Les lions restent entre lions, DeWitt. Pas de hyènes chez eux.
c'est trop tard, c'est pas vrai. Merde! C'est de ça qu'il parlait. On va devoir trouver quelqu'un d'autre pour faire ses armes. Non. Il est mort, Elisabeth. Il est... mort? Hein? Mais qu'est-ce que... Moi, je vois... face. Moi, je vois pile. C'est une question de point de vue. Pourquoi est-ce que vous nous suivez? Qui vous envoie? Comstock? Qu'est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que tu vois là, de cet angle? Mort. Écoutez... Et de cet angle? Vivant. Booker. Chen Lin. Tout ça devient vraiment très gênant. Plus de cadavres. Quel cadavre? C'est une autre Columbia. Une version différente. La même pièce. Sous un angle différent. Face. Pile. Mort. Vivant. Il faut qu'on rejoigne cette autre Columbia, mais... Mais comment? C'est un peu comme la bicyclette. C'est un truc qui ne s'oublie pas. Il suffit juste de se remettre en selle. Si nous entrons dans cette faille, je ne pense pas que je pourrais nous faire revenir. Vous êtes sûr d'être prêt? Je peux ouvrir cette faille dès que vous serez prêt. Bien, juste une seconde. L'horloge cassée sonne à minuit. Quelle horloge? Je crois que c'est celle-là. Réglez-la sur minuit. Alors ça... Je
Je suis venue à Columbia parce que je croyais en Dieu et parce que je croyais en l'honneur. Mais Slate m'a appris une chose. Il n'y a rien de divin à empêcher nos frères de côtoyer les hommes. Et il n'y a rien d'honorable à défendre ceux qui ignorent le sens du mot honneur. Peut-être qu'à Finkton, je trouverai quelqu'un plus à même d'apprécier mes services. Continuez ! Moi, ça ira. Encore de l'argent. Génial. Vous êtes prêts? Bon, vous voilà. Regardez, il n'y a plus de sang. Et pas de corps. C'est un autre monde, Booker. Une autre Columbia. Je pense pas que notre armurier sera la seule différence dans cette Columbia. Je ne comprends pas comment Chen Lin peut être vivant. Dans ce monde, personne ne l'a jamais tué. On comprendra pourquoi, je suppose. Je pense pas que tu puisses changer quelque chose comme ça sans que ça ait un impact sur le reste. Ces hommes... Je les ai tués. Ils étaient morts. Pas dans ce monde. Leur nez.
soigne tous. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils se rappellent. Se rappellent quoi? Qu'ils sont morts. Qu'est-ce que c'est que ce tonnerre de vie, Sanchmark? En tant que directeur de la sécurité, je vous conseille de venir. Comment ces gens ont pu passer? Et surtout, ce qu'ils faisaient au sous-sol? Sortez les griffes, mon chaton! L'autre monde. Toute cette histoire me colle mal au crâne. S'il te plaît, tu peux regarder cette serrure? Ça, je peux le faire. Super! Tenez, gardez ça. Merci. Des munitions, des armes de... Attrapez. Je te remercie.